sur la langue, parce que ça nous ramène un peu plus au cœur de notre sujet ce soir, qui est la question nationale. Justement, il y a des revendications sur la question linguistique qui sont portées par les mouvements sociaux, qui sont portées dans le cadre de nos luttes. Et on n'y arrive pas, c'est pas chaque fois qu'on fait le lien avec la question nationale, c'est-à-dire que quand on exprime des revendications sur l'accès à l'éducation en français, sur l'accès aux ouvrages en français, sur l'usage du français dans le système d'éducation, on l'exprime pas nécessairement en termes de question nationale. Et c'est correct, il n'y a pas de problème, mais il reste que, me semble-t-il, que ça s'inscrit. Chacune de ces revendications-là s'inscrit malgré tout dans la logique de la lutte contre l'oppression nationale et dans la logique de la trajectoire d'émancipation nationale. Quand les étudiants et les étudiantes de l'UQAM se battent pour avoir des livres en français, des notes de cours en français, des recueils de textes en français, des profs qui maîtrisent le français, quand ils se battent pour avoir une université francophone, ils participent de cette lutte d'émancipation nationale. Ils n'ont pas besoin de le dire, ils n'ont pas besoin de mettre ces mots-là sur leur revendication pour que la revendication ait un sens national. La même chose l'année dernière, en 2012, la classe et le mouvement étudiant en général ont mené une lutte extraordinaire pour l'accessibilité aux études supérieures en faveur d'un groupe qui était particulièrement discriminé historiquement au Canada. S'il reste une trace particulièrement visible de l'oppression nationale des Québécois et des Québécoises, c'est ce retard dans la scolarisation postsecondaire chez les francophones. La lutte de la classe et la lutte du mouvement étudiant répondaient à ça. Mais elle ne s'est jamais présentée sous ce jour-là. Est-ce qu'elle est moins nationale pour autant? Quand la classe intervient et le mouvement étudiant et les carrés rouges mettent leur vie en danger pour se battre pour le droit à l'éducation supérieure, puis pour l'intervention massive de l'État en faveur d'une éducation publique accessible, notamment et principalement pour les francophones. Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans la question nationale? Il faut-tu le dire à chaque fois? Une question ici, est-ce que c'était sur ce sujet-là?